La société Infiplast est une entreprise qui conçoit des sous-ensembles et des dispositifs médicaux, essentiellement donc dans le monde de la santé. On est amené à devoir utiliser des technologies et des conceptions pour dire d'être à l'écoute du patient. À l'appel de notre président de la République, donc mi-mars, où il a informé que la France était donc rentrée en guerre par un manque de souveraineté et un manque de disposition de certains composants, il nous a été demandé de devoir concevoir un dispositif médical au niveau des respirateurs. Ces respirateurs étant, eux, sur un plan fonctionnel, donc de pouvoir amener de l'air au patient. Entre-temps, vous avez des filtres CH. Ce filtre, il intervient entre le respirateur artificiel et le patient pour lui permettre d'humidifier ses poumons et aussi d'empêcher une contamination croisée potentielle entre le respirateur et le patient. Nous avons été en collaboration avec plusieurs industriels, dont un en particulier, la société MGA, avec lequel nous sommes adossés pour développer dans un esprit collaboratif qui a facilité la mise en œuvre de la réalisation de ce filtre respiratoire avec la construction d'un îlot automatisé pour pouvoir mettre en œuvre cette capacité à devoir travailler vite et très bien sur des projets donc, qui ont été de dire on veut une qualité réprochable, on veut un délai à la clé, mais surtout on veut une fabrication d'un million de pièces en 2 mois et demi. Habituellement, cela se passe en plusieurs mois, 8 à 10 mois. Aujourd'hui, nous avons réalisé tout ça en 10 semaines. La performance qu'on a pu constater de l'ensemble de nos fournisseurs, dont le groupe Stäubli, c'était de pouvoir nous approvisionner, en particulier la société MGA, en quelques semaines de ces fameux robots pour pouvoir mettre en disposition l'étude et la mise en œuvre derrière pour que nous puissions produire au bout de 10 semaines. Travailler avec Stäubli nous a permis d'intégrer deux types de robots, un robot 6 axes et un robot 4 axes dans une cellule ultra compacte. Actuellement ici, on injecte les pièces en salle blanche, donc ce qui dit salle blanche impose un niveau de propreté important. Dans un premier temps, le robot 6 axes va venir déposer la base, puis il va attendre que le média filtrant soit inséré à l'intérieur. Et dans un second temps, le capot va être placé pour partir une fois assemblé en soudure à ultrasons. Le robot 4 axes, il intervient à la fin de la soudure à ultrasons, il va venir récupérer les pièces pour les transférer sur le troisième plateau. Ce troisième plateau, il sert à finir l'assemblage, où on va venir apporter les bouchons, déposer l'étiquette et tester à 100% les produits. En fin d'assemblage, le robot 4 axes, lui, il va s'assurer de prendre les pièces et de les distribuer soit en rebut, soit en pièces de produits finis. Ce défi a été relevé grâce à une cellule robotisée qui nous permet de répondre à des enjeux de compacité, rapidité et de propreté. Et grâce à l'implication de tous nos fournisseurs, en particulier donc du groupe Stäubli, nous sommes arrivés à des résultats très très satisfaisants. Ce petit filtre ECH, quand on l'a entre les mains, eh bien, il a une nécessité, c'est de devoir sauver des vies en permanence.